Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5 dans lequel on s'amuse à sauver d'autres personnes qu'on venait de sauver qui ont fait 300 mètres et qui ont failli se refaire buter et se refaire recapturer parce qu'ils sont des gros nazes. Madame, bonjour. J'ai vu les cinglés pousser une voiture hors de la route au-dessus des chutes. Mais vous êtes dingue ! Et pas toi ! Oh mon Dieu ! Au secours ! Au secours ! Ah, ça explose plus, bah alors ? Voilà. Barrage routier détruit. Yo les filles. Oh. Oh, tu refrappes tellement plus à ta vie. Voilà. Tac. Bon, ça c'est fait. T'es pas libre toi encore? Si je m'aide pas, vas-y. Aïe. Oh, les malades. Oh, oh, oh. Oh. Vous calmez là, Simon. Alors c'est un Grizzly qui fait attaquer par des cougars après qu'il ait attaqué des gens. C'est génial, cette suite d'événements est épique. Il y a des ennemis qui tombent de partout. J'ai vu les cinglés pousser une voiture hors de la route. D'accord. Elle devait transporter un truc important parce qu'ils avaient l'air bien décidés à descendre le récupérer. D'accord. Débile. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci pour l'info. Pauvre bête. Vache, n'arrête pas, hein. On en tue des gens. Ok, encore des mecs qui sont prêts à abattre des civils. Allez bien. Voilà. On va pouvoir sauver deux otages supplémentaires. Salut les filles. Équipez-vous et repartez vite. Je dois dire que vous faites un super boulot. Merci. Super. Mais je vais pas vous mentir. Je pensais qu'en sauvant tous ces gens, ça changerait quelque chose. Mais pour le moment, la secte continue de kidnapper des civils. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Je sais pas ce que Jacob a en tête. Une armée ? Une armée, une armée. Tout ce qu'il veut, c'est une armée. Selon moi. Bon, cette fois-ci, je vais pas me prendre de balles. Voilà, promis. Nouveau directeur de campagne. T'as vu ça? Le mec qui s'est fait prendre une balle, qui s'est fait arrêter juste devant toi et que t'as laissé faire. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Y'a que les têtes d'ampoule pour redéchiner les cartes électo bla bla bla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venues me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusent de voter pour moi. Oui, je suis au courant. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors, attends, le décor, il vit dans un super endroit. Que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bah, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire. D'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, pas de soucis. Évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. Vous me confirmez que c'est toujours illégal. Mais si jamais les cinglés étaient moins nombreux. Ouais. Suite à des rencontres malencontreuses avec des balles. D'accord. Ça jouerait sans doute en ma faveur. Oui, sans doute, le effectivement. Le quartier qui me pose problème est au croisement, près du Grill Street Diner. Vous pouvez amener mon crétin de fils. Il a pas beaucoup de talent, mais il sait viser. Et puis bon, si jamais ça devait se retourner contre nous, faut toujours un pigeon. Pas de soucis. Je suis presque sûr qu'il ferait même pas de prison. Par rapport à son état mental. Alors vous attendez quoi? Au boulot! Ok, pas de soucis. Est-ce qu'il faut absolument que je prenne Urk? Rejoignez le carrefour. Ah bah non, bah, 1200 mètres, mais... Bonjour.
Oh merde! Ça va? Oh, j'adore ton barbecue, hein. Et son vinyle, encore. Bonjour! D'accord. Il chasse tous les animaux. Il est de la bouffée. Alors, vite, au farm center. D'accord. Tiens, tu parles dans ta moustache, hein. Tout ce que t'as à faire. On l'entend pas. Seul dans le coin. Ouais. Dessus pour les attendre. Ça fera l'affaire. En train de me dire de rouler sur des bestioles. T'es sûr? Bon. J'ai beaucoup de balles dans le chargeur. Ouais, ouais, m'en bats les couilles. Vas-y, fais péter tes ennemis à la con. J'aimerais comprendre où est-ce qu'est passée ma balle, mais... Oh. Oh mais putain! Putain mais vise Marcus! Ah t'arrives pas hein! Pas possible! Allez! Mais putain! Mais t'es 7, bon Dieu! Oui, c'est bon, on est 2-1. Ok. Voilà. Ne tombe pas dessus. Hop, t'as t'apprendra. Ton casque te servira pas. Oh là 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 là, le bordel. Un de plus, sécuriser le carrefour terminé. Waouh, le dawa. Putain mais fais popper. Oh là, quand je saute, je suis au ralenti. La drogue, c'est mal. Ouais. Ils peuvent compter pour les aider. Prenez soin de Nancy, comme de ma campagne. Oh, et surtout, gardez Herc Junior pour toujours. Vraiment. Eh ben, je sais pas si je veux le garder, mais merci pour ta bagnole. Tu sais, officier, si ça ne tenait qu'à moi, on t'aurait déjà tué il y a longtemps. Ah. Mais Joseph a d'autres idées. Et il veut te parler, alors. C'est ce que tu vas faire. Ne t'en fais pas, mes chasseurs vont t'amener jusqu'à... Ok, je vais encore me faire chasser. Le groupe de capture arrive. T'es en train de me dire qu'il faut que je me laisse tirer dessus par ça? D'accord, fallait juste que je me laisse tirer dessus par un mec comme ça. Apparemment. Je sais pas s'il m'a vraiment tiré dessus, mais éventuellement ils sont suffisamment proches, ça a l'air de faire l'effet, donc on va laisser faire. Saint Francis. Centre pour vétérans. Intéressant. Bonjour. Ah, je suis dans une grotte. Enfin, dans une cage, pardon. Un peu de... lait de mammouth. L'un de vous sera fort. Arrêtez. Dégage de là, mon grand. Oh, comment il est soumis.
Ok. Vous voulez me parler? T'as un truc à me dire? Je vois bien que tu souffres. Dieu nous donne et il reprend. Mais tu n'es pas le seul à être testé. Tu savais que j'avais été marié. Elle est belle, n'est-ce pas? Quoi-je? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident ? Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort. Parce que ma petite fille allait s'en sortir. Dieu allait veiller sur notre enfant. Non, c'est pas Face. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Ou alors c'était sa fille ? Fixé. Ma petite fille. Sans défense, si innocente. Moi, je m'attends au pire. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi. Un minable venu de nulle part, sans le moindre sou. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. T'as pas tué ta gamine. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. Alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule. Et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble. Prié pour être sage. Prié pour être fort. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu avait un projet pour moi. Ouais. J'ai avancé les doigts pour les placer sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je les serrai. Et après quelques instants, elle a donné des coups de pied encore et encore. Et puis plus rien. Le calme, la libération. Dieu nous donne et Dieu. Ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. Tu as bien travaillé. Tellement mourir dans la violence, j'espère. Tu n'es pas un héros. Pas un héros. Vous, vous êtes quoi selon vous? Connais ton rôle. Oh, et mon coup avant là? Décède. Bien. Ah bah les faibles. Hop. Parfait.
Pleine tête, ok, va comprendre. Et... oui, sacrifie les faibles. On est bon. Nouveau ça. Traqué, tué, sacrifié. Bien, bien, bien. Bien. Faut pas que ce que je fasse soit bien. Oh. Ok, waouh, le monde tourbille. Ils n'ont toujours pas résolu ce bug là. C'est... J'ai pas apprécié le fait de répéter la même chose. Honnêtement, mais bon. Ça reste un principe évolutif, vous savez, comme une... Alors, par exemple, dans certains romans, dans certains films, principalement dans les origin stories, on a un espèce de, vous savez... une espèce d'évolution qui se crée à certains moments de l'histoire du personnage. Et c'est un peu ça, on a repris en fait. C'est comme si le jeu se dit, il a peut-être oublié ce qu'il a fait. Rappelons-lui. Et c'est intéressant sur le principe, hein, mais est-ce que ça valait le coup de le refaire entièrement? Moi j'aurais bien aimé faire un accéléré par exemple de la première mission. Vraiment, de nouvelles options sont ajoutées à votre inventaire. What? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Peau de wapiti mais blanche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Machin est stylé cela dit, hein. Je dis pas non, hein, mais... Ok les amis, on est au fameux avant-poste. Cependant, il est très... très... très spécial. Je crois pas qu'il y ait d'autres termes que spécial. Et je pense qu'il va par conséquent être très 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 dur. Des alarmes. Et c'était très très dur, je l'avais dit. Et même si c'est un... ouais. Mouais. Ok. Aïe. Et je vais mourir bêtement. Ok, ça se passe plutôt bien cette fois-ci, même si lui est purement et simplement immortel. Le loup, pas mal non plus. Ok, lui aussi il est eu. Merde. Faut que je survive. Putain. Mais qu'est-ce que tu fous à me sortir cette arme? Allez. Voilà. Bon. C'est la meilleure façon que j'ai pu la faire, chers amis. Aucune alarme, c'est tout. Je peux pas faire mieux. Honnêtement, ils sont tellement nombreux, il y a tellement, vous voyez, d'ouvertures que j'ai pas su faire autrement. Sans vouloir dire que le jeu est dur. Là, pour le coup, je pense pas qu'il était très simple de la faire tout seul, en mode silencieux, compte tenu du nombre de d'angles de tir qu'avaient les ennemis sur ma pauvre petite personne, quoi. Mec, il fait du hachis avec des corps humains. Bon mec, qu'est-ce qu'il y a? Content qu'il soit plus à la secte. Hein? Il dressait des loups pour foutre le bordel. Ils envoient ces saloperies de loups directement à la vieille Syrie pour garder les prisonniers à l'œil. Hmm? Avant, on avait un ours ici qui s'appelait Cheeseburger. D'accord. C'était une sorte de mascotte locale. Il avait un faible pour le barbecue de Tchad. Mais ça lui a filé du diabète. Merde. On l'a remis au régime saumon. D'accord. Enfin, bref,
Très bon pour le régime, le somme. Alors je l'ai libéré. Extrêmement cher, mais très bon. Un sacré bordel. Quelqu'un bizarre. Aller le chercher pour s'assurer qu'il va bien. Attrapez des saumons dans le bassin avant de partir. Vous n'aurez qu'à les donner à Cheeseburger. Et il vous obéira au doigt et à l'œil. Bien, 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 bien. Un ours mal léché, bien sûr. Essai de la nouvelle arme. Essai numéro 1. Homme solitaire. Ceci est une mitrailleuse lourde silencieuse avec fusée, avec lunettes de visée. Ok. Intérêt d'être grimpé, 0. 1, si. Intérêt d'être grimpé, entrée du bâtiment, au-dessus. C'est certain. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Bel avion dedans, dis donc, ouais. Ah bah c'est le fameux avion. Oh la vache, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. D'accord, ok. Bon bah j'ai réussi, cela dit, hein. Cache réussi, hein, comme d'habitude. Je suis déjà full. De chez full, de chez full, de chez full. Waouh. Mais il est tellement beau. Hop, qu'est-ce que c'est? Saumon, saumon royal. Bien, gros poisson. J'ai mon saumon. D'accord, et c'est par où? À 700 mètres, putain, fait chier. Cela dit, il doit pas être très très loin de l'eau. Je vais prendre ce pari-là. Ok, on y est. Oh. Oh oui, séparez-vous, ça me fait fort plaisir. Merde. J'entends l'ours. Hop là, mais lui ne m'a pas entendu venir. Comment dire? L'ours n'est vraiment pas loin. Cheeseburger? C'est pas un enfoiré, c'est un super ours. Oh merde. Cheeseburger. Soyez pas timide. Cheeseburger. Lui et donnez-lui son nom. Vous en faites pas. Merde. Il est tellement sympa qu'il vous mangera directement dans la main. Ça va? Bonhomme. Oh. Oh. Bon. Eh oui, tiens, mange. Eh non, t'inquiète. Je crois que t'étais blessé, tu m'as fait peur. Eh si, vas-y, c'est un bon. Ça se voit tout de suite. Ça, c'est un bon nounours. Oh, belle bête. Ah, oh, j'adore les bestioles. C'est là que je me rends compte que mon chien a une gueule d'ours maintenant. Je croyais qu'il avait une gueule de loup, mais en fait, non. Peut-être une gueule de bestiole sauvage, simplement. Ah oh. De prendre un cheeseburger. Bref. Bref, bref, bref. Soyons, soyons. Une personne honnête. Oh. Oh, c'est du bois. Qu'est-ce qu'il bouffe? Hop, les plein de têtes celle-là.
What? Il y en a un qui est très très bon avec son pistolet, je sais pas si c'est lui là, mais... Ok. L'ours ne doit pas s'échapper. Hop. Hop. Vas-y, mange-le. Bien joué. Comment il l'a viré? Ah la vache! Ils n'ont plus que deux, mais qu'est-ce qu'ils font mal? Un ours derrière toi, bonhomme! Ah, c'est rigolo! Oh, t'es un adorable petit bestio, toi! J'adore! Compte sur moi. Compte sur moi, compte sur moi. Je l'aime bien, cet ours. Bon, j'aime pas trop cette arme, mais j'aime bien l'ours. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, l'ours? Attire l'attention pendant un combat. Mais permet d'utiliser... Bras d'ours. Permet d'utiliser son droit à attaquer. Tiens, t'es solide, toi. Hein. Enfin, je te tire quand même dessus à la mitrailleuse lourde, hein, bonhomme. Hein. Et je pense pas que tu reviennes, là, si? Et la mort vient du ciel. Oh, j'ai eu le pilote. Oh, c'était tellement propre. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, c'était magnifique ce dernier tir. En tout cas, on peut se rendre compte de la puissance de notre suprême. Je sais même pas si je touche, de notre suprême mitrailleuse lourde, vu que, effectivement, comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas réussi à mitrailler correctement un seul de ces hommes. Les hélicos, là, vous... Okay. Là, par contre. Oh bah non, j'aurais dit là, par contre, j'aurais mis une bestiole, mais... Ok, et donc, faut que je vous fasse quoi, vous? Faut que je vous détruise, on est d'accord? Oh. Ils vont pas du tout s'intéresser à moi? Oh bah tant pis pour eux, hein. Tant pis, hein. Bon, salut les gens.